Bah, regarde, j'en ai là. Oh. Et là? Là aussi. Qu'est-ce que vous avez foutu? On s'est battu pour la scène d'action. Ah ouais. Il t'a pas demandé ça à toi? Bah non. Il t'a demandé quoi? Ça sert à rien de comparer. Oh, t'as pas fait ça? Si. Merde, j'aurais dû y penser. Tu crois que j'aurais dû y penser? Non, je crois que ce qui compte, c'est ta personnalité propre. Ouais, j'aurais quand même dû y penser. C'est bizarre qu'il me l'ait pas demandé. Je le sentais pas ce casting, j'ai tout foiré. C'est bon, arrête, ça va aller. Attends, c'est facile, toi t'es excellente, tout le monde te veut. En plus, tu vois, je voulais profiter des vacances pour me retrouver, me relaxer, et puis ça a été l'horreur. Mon chat était malade, je t'ai dit. Hein. Mmh. Et puis j'ai chopé cette infection au nez, là. Oh là là. Ouais, ça a vraiment pas été une période facile, facile. J'en avais là, là, tout ça, là. C'était quoi? Staphylocoque. Oh ouais. Merde. Enfin, c'est bon, maintenant c'est guéri. J'ai un très bon fond de teint. À l'image, on voyait rien. J'avais mis ça pour le casting. Bon, tu appelles maintenant. Tu appelles? Attends, j'ai une idée. Mademoiselle? Oui, c'est moi. C'est pas mal ce que vous faites, hein. Ce que tu fais, c'est pas mal. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, c'est que on va pas atteindre l'émotion, là. Hein? On est dans un rictus cérébral. On est dans une crispation intellectuelle. On est sur une mauvaise voie. Ça veut dire que je ne suis pas prise? Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu cesses de vouloir retenir. Arrête de retenir. Arrête de vouloir. Oui, mais je suis prise ou je suis pas prise? Et c'est comme pour les couleurs. Tu vois en quoi c'est joli le vert? Tu vois en quoi le vert complète l'orange? Si tu n'utilises que l'orange, tu te restreins. Alors laisse entrer le vert, arrête de vouloir l'orange. Et tu sens que le problème... C'est dans cette volonté terrifiante quand même. Mais j'ai tout donné, j'ai tout donné! Est-ce que tu as pensé à coucher? Non. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu fais pas d'effort... Oh. C'est étrange. J'ai une amie qui me posait la même question la semaine dernière. C'est Shakespeare qui m'a donné envie de faire ce métier. Vous savez, moi j'ai failli être comédien. Hein. C'est vrai? Vous avez fait du théâtre? Oui, mais j'étais pas très doué. Vous pourriez continuer comme ça pour le plaisir, non? Oh oui, bon. C'est peut-être quelque chose que je ferai plus tard, mais... Ah bon, quand j'aurai le temps. Enfin, on dit toujours ça, mais on arrive à la retraite et on n'a rien fait. Ouais, c'est vrai. Arrête, c'est ridicule. Quoi, c'est ridicule? J'ai envie de me foutre à poil, je me fous à poil, c'est ça l'acteur studio, ma vieille. Mais peut-être pas à poil du tout, il reste ta culotte. Je suis pas à poil. Je suis pas à poil. Ça va, toi? Mm-hmm. Et comment tu te sens? Mais ça va, je te dis. Et toi? T'as pas rencontré quelqu'un, là? Tu veux pas me raconter? Non. Ok. Eh ben, on se voit tous les soirs. On parle pendant des heures. Ça fait 2 semaines que je dors pas. Bah, raconte. Ben voilà, y a rien d'autre à raconter. On parle pendant des heures. Vous parlez? Oui, on parle. C'est tout? Bah oui, c'est tout. Tu crois que c'est bon signe? Quoi, il t'a pas? Non. Bah ça va venir. Est-ce que tu trouves ça important qu'un mec soit grand? Bah ouais, quand même. Ah voilà, tu vois. En fait, on a remarqué qu'au fil des millénaires, la taille des hommes augmentait alors que celle des femmes diminuait. Et tu sais à quoi c'est dû? Bah non. En fait, c'est une question d'alimentation. C'est parce qu'on a toujours cru que les hommes avaient besoin de plus de protéines que les femmes. Et du coup, on donnait la viande aux hommes alors que les femmes devaient se contenter des céréales et des légumes. Mmh. Et si tu suis un régime différencié comme ça pendant des millénaires, eh ben ça donne des hommes grands, forts, musclés et des femmes... Comme nous. Ouais, comme nous. Et en fait, je crois que ça me rend extrêmement triste. Ouais, mais tout te rend triste. Hein. Je pense pas que je sois quelqu'un d'angoissé. Ben c'est très bien. Ben continuez comme ça, parce que c'est important de positiver. Hein. Le mental, c'est un...
un atout important dans la guérison. Je suis quelqu'un de très positif, moi. Parce qu'on me dit tout le temps dans mon métier que je suis rigolote, que j'ai la pêche. Que je suis quelqu'un d'hyper sympa. Ok, ok, je n'en doute pas. T'as grossi, toi ? Non. Si, si. La famille Boudin. Vous en avez combien ? Oh, madame, c'est une famille non plus, savez-vous. Alors, il y a Henriette, il y a Georgette, il y a Léontine, et alors ici, la petite dernière qui arrive, c'est Léa. T'as envie d'avoir des enfants, toi ? Ouais. Oh, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Oui, j'étais une quiche. Une quoi ? Une quiche. Quiche Lorraine, pour vendre. Et alors, j'ai été maquillée en bleu pour jouer un ange dans un film de Jean-Marie Bigard. J'avais des étoiles partout sur la tête, c'était très bizarre. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'être comédienne ? Bah, je sais pas, moi... Dire des textes beaux à en mourir. Corneille, Racine, Beckett, Lorca, Pinter... Tu te mouilles pas, là ? Non. Non, je te demande de parler de toi et toi, tu me fais une liste. Shakespeare. Tu vois ? Les femmes sont comme les roses. Dont les fleurs délicates venant juste d'éclore se fanent à l'instant même. C'est ainsi qu'elles sont. Hélas. Oui, c'est ainsi qu'elles sont. Elles meurent alors qu'elles atteignent la perfection. Ce qui est étrange, c'est qu'il n'y a aucun symptôme. Non. J'ai rien senti. Je sens rien. Tu devrais pas sentir quelque chose ? Non, pas spécialement. C'était celui-là, le bleu de Jean-Marie Bigard ? Mais non, c'était plus clair, plus turquoise. Ça te va bien, ça met tes yeux en valeur. Ouais ? Mmh. Merci. Bon, il y a une série de choses que vous savez déjà. Hein? Perte des cheveux, perte des cils et des sourcils, des poils pubiens, des ongles aussi parfois, mais on a des solutions pour tout ça. Le système immunitaire est affaibli. Donc, risque d'infection. En cas d'infection, il faut se rendre à l'hôpital le plus rapidement possible, évidemment. Comment ça marche, concrètement ? On implante un petit boîtier dans le corps, au niveau de la poitrine, et c'est par ce boîtier que les injections vont être pratiquées. Ça a l'avantage de ne pas abîmer les veines, évidemment, donc vous pouvez encore porter des manches courtes. Les grossesses sont à éviter pendant les 3 années qui suivent le traitement. Les muqueuses sont abîmées, la peau tend à devenir un peu plus sèche. L'odorat et le goût risquent d'être altérés. Nausées, maux de tête, vomissements, vous connaissez. Prise de poids, fréquemment. Je vais pouvoir continuer à travailler ?